ce Shabbat. Il est 5h27 et 28%. Donc cela va faire 6990 jours que vous êtes sous la loi Bamba. D'accord? Pourquoi 6990 jours qui signifie 19 ans, 1 mois et 20 jours? Ça nous donne le 191, la date de naissance, et le 20 de l'année 2020. Donc ça suffit. Vous vous demandez pourquoi je mets les deux tours. Justement, les deux tours signifient les 42 lois de la Math, la loi d'or, et les 77 ordres de l'or. Donc regardez bien. Quand vous additionnez les deux nombres, cela donne 119. C'est pour ça qu'ils ont dû utiliser ce chiffre pour mettre le 11 septembre, tout simplement. Donc, les deux tours signifient les deux routes qui mènent à la voie de la sagesse. En langue des oiseaux, cela signifie à la voie de la sagesse, qui est la traduction les cieux voient de la sagesse. Donc pour valider cet acte occulte, il fallait prendre 19 terroristes musulmans, car le Coran est la numérologie 19, qui en Égypte signifie l'alpha et l'oméga, d'où la sourate Maryam Isis. Nous avons deux routes, deux tours. Une représente les 42 lois de l'or, la Math, et l'autre tour signifie les 77 ordres de l'or. Le tout fait 119, vision du savoir vivre sur terre, d'où la date du 11 septembre. Les francs-maçons sont plus loin que vous, et c'est une humiliation pour vos ancêtres qui détenaient les lois en eux. Ne venez pas me raconter votre savoir de pacotille. Merci, j'espère que ça a été clair. Donc maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que les lois de la Math et qu'est-ce que les 77 ordres de l'or. Donc vous avez les 42 idéaux de maths du temple d'Isis, on dit pas ça, et les 42 lois de l'or. Et les 77 commandements, nous n'utilisons pas le mot commande et ment, c'est commande de mensonge, nous on commande pas, on vous conseille. C'est les 77 ordres de la maths, de l'or. Donc le premier, la première loi est j'honore la vertu. La vertu est une force morale avec laquelle l'être humain tente au bien s'applique à suivre la règle et les lois morales. Je profite avec gratitude. Priez, dites merci quand vous avez quelque chose, c'est une grâce. Je suis en paix, donc il faut éviter d'avoir des mauvaises vibrations et s'écarter quand il est le temps. Je respecte la propriété d'autrui, c'est-à-dire que quand vous invite chez eux, quand une personne vous invite chez elle, ben vous restez courtois et vous ne faites pas de palabres ou des embrouilles chez elle. J'affirme que toute vie est sacrée, ça veut dire que vous respectez les animaux et tout ce qui s'ensuit, d'accord? Je donne des offrandes véritables, c'est-à-dire que quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, c'est avec le cœur, c'est pas pour essayer de le séduire ou essayer de l'avoir, de le corrompre. Je vis dans la vérité, c'est-à-dire que vous vous éloignez du mensonge, vous restez dans ce qui est vrai, sinon vous vous écartez. Je regarde tous les hôtels avec respect, ça veut dire qu'on voit chez les musulmans ou chez les chrétiens, les synagogues, tout ça, même chez les hindous, vous respectez leurs croyances, vous ne dites rien. Je parle avec sincérité, ça veut dire que quand il y a quelque chose qui vous gêne, vous le dites avec le cœur et pas avec mensonge. Je ne consomme que ma juste part, ça veut dire que vous vous contentez de ce que vous avez, ce n'est pas la peine de manger plus ou de demander à côté ou de demander autre chose. Quand on vous donne quelque chose, vous demandez plus, parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de cela, donc il faut consommer sa juste part. J'offre des messages de bonne intention, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous parlez, vous essayez de donner du courage, de l'amour aux gens qui sont en face de vous, aux gens qui sont en peine. Je raconte dans la paix, c'est-à-dire vous racontez des choses et que l'esprit ou que l'énergie qui est près de vous, la vibration, excusez-moi, puisse être douce. J'honore les animaux avec respect. Ça veut dire que tous les animaux, vous pouvez leur parler, ils comprennent même s'ils n'ont pas la voix. D'accord? Je peux faire confiance. Et vous pouvez faire confiance, attention, à ceux qui sont comme vous ou dans la même lignée. D'accord? Parce qu'on ne peut pas manger à la table du diable et à la table de l'éternel. Je me soucie de la terre. C'est-à-dire que vous êtes propre, vous n'êtes pas des choses n'importe quoi, n'importe où, des choses qui ne sont pas biodégradables et tout ça. Je garde mon propre conseil. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait quelque chose avec son cœur, de peur de blesser, gardez-le. Vous allez me dire, oui, mais il faut être sincère. Non, ça, c'est ce. Ça, vous parlez selon votre conscience, mais
Non, gardez votre conseil. Si la personne veut rester comme ça, n'insistez pas, ça crée de mauvaises vibrations. Je parle de façon positive des autres. Cela veut dire que vous n'êtes pas dans la médisance, vous ne parlez pas derrière le dos de quelqu'un. Je reste en équilibre avec mes émotions. C'est pour ça, quoi qu'il arrive, on vous fait du mal, on vous parle mal, il y a des morts, il y a des naissances, vous devez rester le même, comme hier, aujourd'hui et demain. Le but, c'est de plaire à l'Éternel et d'être comme lui, d'essayer d'être comme lui, parfait. D'accord? Je suis confiant dans mes relations. Ça veut dire que n'émettez pas de doute, même s'il y a des mauvaises choses, vous n'avez pas de doute, la vérité finit toujours par se savoir. Ce n'est pas à nous de chercher. Vous vivez votre vie comme parce que vous n'avez rien à vous reprocher. D'accord? Même dans les infidélités, si une personne veut vous tromper, qu'elle parte. Mais si vous voulez plus de la personne, vous, par contre, il faut lui dire, je ne veux plus, je sens que on n'est pas identique. Et vous partez. Je tiens en haute estime la pureté. Ça veut dire que vous ne forniquez pas comme ça, vous ne faites pas ça pour de l'argent, vous essayez de rester le plus pur possible. Je réponds à la joie. Ça veut dire que il faut donner l'image que quand vous passez, il y a toujours la joie, la bonne humeur, la lumière. Donc il faut émettre la lumière. Je fais du mieux que je peux. C'est-à-dire que vous faites ce que vous pouvez, n'essayez pas plus dormir, ne pas dormir, avoir des insomnies, vous faites plus, plus, plus. Non, ce n'est pas bon, c'est de l'excès. Je communique avec compassion. Ça veut dire que communiquer avec l'amour. Vous voyez, c'est toujours des règles, des lois de vie. J'écoute des opinions opposées. C'est-à-dire que vous pouvez écouter, mais on ne débat pas, on écoute. Et on doit garder notre propre conseil. On écoute et on part, d'accord? On n'essaie pas de créer des débats. Seuls les insensés débattent. Je crée l'harmonie. Vous essayez toujours de mettre l'amour là où vous êtes. Je suis ouvert à l'amour sous diverses formes. Amis, enfants, inconnus, dans la rue, tout le monde, voilà. C'est toujours l'harmonie. J'invoque le rire. C'est-à-dire que vous aimez la joie. Je sais que c'est dur dans le temps de maintenant, mais essayez de rire. Quand même, chercher un truc qui vous danser, chanter, il faut qu'il y ait une énergie, une vibration positive autour de vous. Je suis ouvert à l'amour sous diverses formes, je l'ai dit. Je suis indulgent, d'accord. Je suis peu, donc ne soyez pas moi, 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 l'égocentrisme, tout va. Non, vous êtes peu, vous comptez ce que vous avez. J'agis de manière respectueuse des autres, d'accord. J'accepte, je suis ma guidance intérieure. C'est-à-dire que l'Éternel est à l'intérieur de vous, donc faut suivre votre petite voix là. Faut l'écouter parce que sur Terre, vous ne l'écoutez pas justement avec la 5G, la 4G, la télé, la musique, vous n'êtes pas concentré. L'Éternel aime le silence. Je converse avec la sensibilisation. C'est-à-dire que vous donnez des conseils aux enfants, pour sensibiliser les gens. Je fais le bien, je donne des bénédictions. Partout où vous allez, dites merci, sois béni, que l'Éternel te bénisse. Les bénédictions, je garde les eaux pures, c'est-à-dire que vous consommez peu, vous faites, vous ne salissez pas, vous ne faites pas de gâchis. Je parle avec de bonnes intentions, toujours avec l'amour. Je loue la déesse et le Dieu, cela veut dire je dis merci au Rasoul d'être venu, à Moïse, à Issa, à Isaïe, à Jean, tout le monde vous fait des grâces, quoi, des éloges. Voilà, aux messagers, à la messagère, toutes les messagères, à Isha et tout ça. Je suis humble. Je réalise avec intégrité, j'avance à travers mes propres capacités et j'embrasse le tout parce que le tout c'est l'Éternel. Donc tu embrasses toutes les lois qu'il a données. C'est simple. Donc là c'est écrit les 77 commandements de la maths, de maths, mais non, en fait c'est 77 ordres. Tu ne causeras aucune souffrance aux humains. Hein? Pour assouvir ton ambition, tu n'intrigueras pas. Tu ne dépouilleras point de sa subsistance une personne pauvre. Tu ne feras pas d'actes condamnés par les messagers, les rasouls. Tu ne causeras aucune souffrance aux autres. Tu ne voleras pas les offrandes des temples. Tu ne voleras pas le pain destiné aux messagers. Tu ne voleras pas, et quand on dit messager, aux dieux, c'est-à-dire que les imams, les prêtres, tout ça, bon, là, ils sont tous corrompus, mais à la base, quand c'est pour eux, il ne faut pas prendre. Ni pour n'importe qui d'ailleurs. Tu ne voleras pas les offrandes destinées aux esprits sanctifiés. Surtout quand les filles noires mettent des faux cheveux, tout ça, elles ne doivent pas prendre. Tu ne commettras aucun acte honteux dans l'enceinte sacrée des temples. Tu ne pécheras pas contre nature avec quelqu'un comme toi. Ça, c'est l'homosexualité, c'est les pédastres. Tu n'enlèveras pas le lait de la bouche d'un enfant. C'est-à-dire que quand, par exemple, un enfant pauvre et vous êtes un adulte pauvre, vous voyez qu'un enfant, il a mangé et vous lui voulez ce repas. Tu ne pécheras pas en utilisant un poisson comme appât. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez prendre des petits vers de terre, mais pas
prendre un poisson pour attraper un autre poisson parce que vous faites manger la même espèce. Je sais pas, j'espère que vous avez compris. Donc c'est un peu ça. On va continuer. Tu n'éteindras pas le feu quand il devrait brûler. D'accord? C'est-à-dire que si quelqu'un fait un feu de camp, il ne faut pas l'éteindre, c'est qu'ils ont froid. Tu ne violeras pas les lois sur les offrandes de viande. C'est qu'il faut toujours prier avant pour dire merci de vous m'avoir donné votre corps. Il faut toujours dire merci. Tu ne prendras pas possession des propriétés des temples et des messagers. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre de rentrer à arracher les mosquées, les églises, les synagogues et tout ça. Hein. Voilà, ça appartient à l'Éternel, donc vous laissez ça. Tu n'empêcheras pas à un messager de se manifester. Ben, vous, en ce moment, vous dites les imams, les prêtres, tout ça, vous le laissez parler. Même s'il est corrompu, ce sera lui qui portera sa croix. Tu ne causeras pas des pleurs. C'est-à-dire que si quelqu'un vous embête ou vous faire du mal ou là, vous voulez l'acquitter, il ne faut pas commettre des pleurs. Vous avez compris, c'est du français. Tu ne feras pas des signes dédaigneux, comme les artistes aiment bien faire des signes. On ne comprend pas pourquoi. Tu ne te fâcheras pas ou sans cause entreras dans une dispute. C'est-à-dire que si quelqu'un se dispute, il ne faut pas rentrer dedans. Parce que vous voyez, il y en a plein qui rentrent dedans, ils se font tuer. Parce que justement, ils blasphèment ce commandement. Vous laissez les gens se disputer. C'est comme ça, c'est entre eux, ça ne vous regarde pas, c'est la curiosité. Tu ne seras pas impur. D'accord? Donc, c'est-à-dire sale, faire des choses sales, quoi. Vous comprenez? Des choses immondes, animales. Bon, quoi, les animaux sont propres, vous me comprenez. Tu ne refuseras pas d'écouter justice et vérité. Si quelqu'un vous dit la vérité, vous devez l'écouter, en fait. Parce qu'après, ce sera pesé dans votre cœur, dans la balance, et tous les jours que vous faites, c'est enregistré, il faut savoir. Hein. L'âme enregistre tout. Hein. Tu ne blasphémeras pas, tu ne mentiras pas par un flot de paroles, c'est-à-dire trop de paroles, trop, faut tourner sa bouche cette fois, sa langue cette fois dans la bouche avant de parler. Hein. Tu n'auras pas de langage méprisant, tu ne maudiras pas une divinité, c'est-à-dire que même si vous ne savez pas qui c'est, vous ne dites rien, vous ne parlez pas, parce que vous êtes dans le faux, donc vous ne savez pas ce que l'Éternel a fait, et ce qui est, si c'est là, c'est que l'Éternel a permis. Tu ne tricheras pas sur les offrandes faites aux messagers. Comme tout à l'heure, tu ne gaspilleras pas les offrandes faites aux morts, c'est-à-dire vous laissez les morts avec les morts. Vous ne arrêtez de voler les fleurs ou de prendre leurs trucs à eux, quoi. Tu ne t'empareras pas de la nature des enfants et tu ne devras jamais mentir contre les dieux de la cité. Vous vous taisez. Tu ne tueras pas les animaux divins avec une intention mauvaise. Tu ne tromperas pas, tu ne tricheras pas, tu ne voleras pas, ni ne payeras. Tu ne déroberas pas, c'est un peu répétitif, mais il faut que ça rentre, parce que les gens avec les mots ne comprennent pas. Et tu ne tueras pas, tu ne détruiras pas les offrandes, tu ne diminueras pas les arpentages, tu ne voleras pas les propriétés appartenant aux messagers. Ils vous le redisent plusieurs fois, je vais vous expliquer pourquoi après. Tu ne mentiras pas, tu ne déroberas ni nourriture ni trésor, tu ne causeras pas de douleur, tu ne forniqueras pas avec le fornicateur, tu n'agiras pas malhonnêtement, tu ne transgresseras pas, tu n'agiras pas avec malice, tu ne voleras pas les terres des fermiers, tu ne dévoileras pas les secrets, tu ne feras pas la cour à une femme mariée, tu ne dormiras pas avec une autre épouse, tu ne causeras pas de terreur, ça qui est la polygamie, c'est interdit, tu ne te rebelleras pas, tu ne seras pas la cause de colère ou d'emportement, tu n'agiras pas avec insolence, tu ne causeras pas de différends, mauvaise compréhension, tu ne méjugeras pas, tromperas ou tu ne jugeras pas hâtivement, tu ne seras pas impatient, tu faut toujours être dans l'attente, moi je suis la patience, tu ne causeras pas de maladie ou de blessure, tu ne maudiras pas un roi, c'est-à-dire un élu, une grande personne qui est attitrée, tu ne troubleras pas l'eau à boire, tu ne déposséderas pas. Tu n'useras pas de violence contre ta famille, la famille. Tu ne fréquenteras pas les personnes violentes. Tu ne substitueras pas l'injustice à la justice. Tu ne commettras pas de crime. Tu ne feras pas les autres travailler plus pour leur même gain. Tu ne maltraiteras pas tes serviteurs. Tu ne proféreras pas de menaces. Tu ne permettras pas à un maître de maltraiter un serviteur. Tu ne provoqueras pas de famine, tu ne te fâcheras pas, tu ne tueras pas ou ordonner un meurtre, tu ne commettras pas d'actes abominables, tu ne commettras pas de trahison, tu ne tenteras pas d'augmenter ton domaine en usant des moyens illégaux, tu n'usurperas pas les fonds et propriétés des autres, tu ne saisiras pas des bestiaux dans les prairies, tu ne prendras pas au piège des voyages destinés aux messagers ou à l'Éternel, tu ne feras pas obstruction à l'écoulement de l'eau, tu ne dois pas briser les digues établies pour l'eau courante. Vous voyez? Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur l'Éternel. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient.
Ça, c'est le résumé des lois sur 7 jours. Il en reste 4.